Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter comment rentrer dans le dôme et dans d'autres pièces secrètes sur la map Firebase Z. Alors pour rentrer dans le dôme, il va falloir utiliser pierre tombale. Ensuite vous vous suicidez devant la porte du dôme et vous utilisez votre pierre tombale. Quand vous êtes en mode fantôme, dirigez-vous vers la rampe comme je le montre dans le gameplay. À cet endroit là, ce que vous allez devoir faire, c'est de sauter au-dessus de la barrière mais en faisant l'animation quand le personnage passe par-dessus. Si vous sautez tout simplement au-dessus, ça ne fonctionnera pas. Donc il va falloir passer au-dessus de la barrière, mais au dernier moment, quand votre pote vous réanime. Donc le glitch n'est réalisable qu'à deux personnes minimum. Donc dès que vous allez réanimer, vous passez au-dessus de la barrière, et là ça va vous téléporter dans le dôme. À cet endroit-là, vous allez pouvoir récupérer un renseignement. Alors il faut savoir que le dôme, là, il est fermé jusqu'à au moins 19h. Parce que tout simplement, les étapes du secret ne sont pas encore disponibles. À 19h aujourd'hui, vous pourrez réaliser l'easter egg et ouvrir ce dôme. Donc en attendant, si vous voulez, vous pouvez rentrer dans le dôme, récupérer le renseignement en réalisant ce glitch. Alors maintenant, je vais vous montrer comment rentrer dans une autre pièce secrète. Donc la pièce secrète que je vais vous présenter, c'est la pièce où il y a Ravenov. Alors là, c'est pareil, vous allez devoir vous suicider devant Ravenov, comme je vous le montre dans le gameplay. Et ensuite, vous allez utiliser votre pierre tombale. Quand vous êtes en mode fantôme, mettez-vous derrière la rampe comme je le fais dans le gameplay. Ensuite, c'est le même principe, vous allez devoir passer au-dessus de la rampe au dernier moment quand votre pote vous réanime. Et là, si vous avez bien fait les choses, vous allez rentrer dans la pièce secrète de Ravenov. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans une pièce secrète comme ça, si vous n'avez pas de grenade pour vous suicider et mourir, ben, vous ne pouvez pas réapparaître dans la map. Ou alors il vous faut le spécialiste couverture de l'éther pour ressortir par là où vous êtes entré de la pièce secrète. Et maintenant, je vais vous présenter la troisième pièce secrète, qui est la pièce du docteur. Donc pour rentrer dans cette pièce, vous allez devoir aller à la mission de contrôle. Mais faites attention de bien vous mettre comme moi, sinon vous risquez de tomber en dessous de la map. Donc placez-vous bien comme moi. Ensuite, suicidez-vous et là, utilisez votre pierre tombale. Et là, c'est comme les deux autres glitches. Vous allez devoir vous rendre devant une barrière et passer au-dessus de cette barrière au dernier moment que votre pote vous réanime. Et là, boum, vous allez atterrir dans la pièce du docteur. Donc après, bah, vous allez pouvoir visiter les pièces secrètes. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolmec et ciao. Peace.